Mais t'as pas regardé. Mais le... par contre, comme c'est du plexi, fais gaffe, tu ne colles pas trop. Yeah, you were planning to go as a result. Chers amis, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sous le soleil pour cette première édition de la boucle historique de Saint-Paul-de-Vence. Au nom du Saint-Paul Car Club, nous sommes tous ravis et honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui autour de ces belles mécaniques. Alors nous sommes accueillis aujourd'hui au Car Museum Club de mes amis Pierre-Guy Morani, Thierry Froger, Gilles Siamin et Christian Dana. Donc c'est un lieu, comme vous l'aurez je pense compris ce matin, de rencontre automobile, un lieu de passion, un lieu où on passe boire un café et causer automobile. C'est également et avant tout un service exclusif et personnalisé de gardiennage, de maintenance et de conciergerie pour de belles autos comme celles qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc je remercie toute l'équipe de nous accueillir ce matin pour le départ de cette première boucle historique de Saint-Paul-de-Vence. Merci au Car Museum Club. Le départ sera donné, nous avions dit, 9h30. Je pense qu'on sera peut-être un petit peu plus tard que 9h30 parce que nous nous attardons devant les capots ouverts et les jolies mécaniques. En tout cas, le départ sera donné par notre ami Michel Dizdier qui est présent. Je ne sais pas où il est là. Il est là, qui est donc le seul pilote français aujourd'hui en NASCAR outre-Atlantique. Voilà, donc il nous fait... Michel... Le roi de l'Oval, voilà, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous pour donner le départ ce matin. Il sera entouré de membres, de charmantes membres du Saint-Paul Car Club, Estelle, Cécile, Aurélie, tout le monde sera présent autour de lui pour le départ. Nous sommes également en présence aujourd'hui de notre ami Pierre-César Baroni, qui nous fait le plaisir de faire cette boucle avec nous, champion d'Europe des rallyes en 93, je ne sais pas où il est. César, où es-tu? Il est caché, César, voilà, champion d'Europe des rallyes au volant de l'Ancia Delta en 93. Si je ne dis pas de bêtises, il a également le record des victoires au rallye d'Antibes. Hein, si je ne dis pas de bêtises, je crois 5 fois le rallye d'Antibes. Voilà. Donc on a le plaisir que César soit parmi nous aujourd'hui. Mais il a promis de rouler doucement, on ne lui a pas laissé de voiture de course aujourd'hui. Doucement mais en travers. Voilà. Alors, juste un tout petit récapitulatif. Le trajet, vous l'avez sur le roadbook. Je rappelle les communes traversées. Donc, nous allons partir en direction de Vence. Vous allez traverser la ville de Vence, en direction du col de Vence, puis Coursegoul, Gréolière, Cossol, Châteauneuf-de-Grasse, Roquefort-les-Pins, La Colle-sur-Loup, pour revenir à Saint-Paul-de-Vence à la fin. Alors, petit rappel, hein, je rappelle qu'il s'agit d'un rallye touristique, sans dimension sportive, malgré la présence de champions autour de nous, ni aucune forme de classement, donc au volant, impératif évidemment de respecter les règles du code de la route. Alors, je voudrais terminer en remerciant très très chaleureusement nos partenaires pour cet événement, à savoir la maison Ferré, la joaillerie Ferré, qui est représenté aujourd'hui par son directeur, M. Audion, qui nous fait le grand plaisir de participer à la boucle lui-même, en Porsche. Je remercie également Geoffrey Quint Safari, boutique à Monaco, des lignes de bagages et l'équipement de luxe. Vous aurez d'ailleurs trouvé dans vos packages participants un porte-étiquette en cuir qui vient de chez eux. On les remercie. Très, très important, le Rotary,
Club de Saint-Paul-de-Vence et le Rotaract. On les remercie d'autant plus que c'est... Merci pour eux. Ils sont là à l'œuvre, vous les voyez avec leur gilet aux couleurs du Rotary. Et là, je m'attarde quelques instants, c'est crucial pour nous. C'est par le biais du Rotary Club que nous pourrons soutenir, grâce à cette journée, financièrement, et par le biais de l'association Indigo, les enfants atteints de cancer. Donc, je vous remercie du fond du cœur de participer à cette journée. Je vous remercie pour les enfants. Je vous remercie pour le Rotaract, qui est un précieux intermédiaire pour nous. Je vous remercie doublement du fond du cœur au nom du Saint-Paul Car Club. Je remercie également le magazine Riviera Sélection et son directeur Éric Tournebeuf, notre ami Éric, qui est parmi nous aujourd'hui, voilà, qui est au premier rang. Je le remercie pour son soutien, pour son amitié de la première heure. Évidemment, comme nous disent nos amis anglais, last but not least, la commune de Saint-Paul-de-Vence, son office du tourisme. Je remercie vivement la commune pour son soutien. Elle a cru dès le départ à ce projet, à cette belle journée. Elle s'y est associée. Elle a communiqué avec nous. Elle nous a soutenus. Merci infiniment à la commune de Saint-Paul-de-Vence. Merci. Enfin, je ne serai pas trop long. Enfin, je vais essayer du fond du cœur. Je remercie toutes celles et ceux, familles, amis proches, passionnés, qui ont œuvré avec nous pour que cet événement voie le jour. Ils se reconnaîtront. À tous, chers amis, je vous embrasse. Merci infiniment pour votre aide.